Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.8 sur ma map Ramsès 2. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. En espérant que le réveillon s'est bien passé et que vous allez tous très très bien. Bon bah chez nous ça va. Moi en tout cas ça va. Y a pas trop dormi cette nuit mais ça va. C'est classe, tiens, en parlant de dormir. Oula. Fais peur, il est surpris. T'as pas de nom, toi. Toi, t'as pas de nom, purée. Il y a de la place. Mais non, je veux juste ouvrir la porte. Hop, c'est pas Noël, hein. On fait pas les cadeaux tout le temps, hein. Même si là, pour le réveillon, on a offert un petit cadeau à nos filles. Vous, vous n'êtes pas mes filles. Bon, allez. Voilà. Attendez, aujourd'hui on va faire un truc méga classe. Attendez, hop là, viens ici toi, viens ici. Voilà, il me faut un œuf de Villa Joyce. Qui est pas mince. Allez, on est parti à l'autre bout du Nil. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi le live hier et qui ont... Ou qui ont regardé le live, la rediffusion du live, voilà. La nuit a été très courte et un petit peu fatiguée moi ce matin, mais ça va. On n'a pas fait tellement la fête, on était chez nous, tranquille. On a regardé un film. Avant, on a regardé le catch, parce que sur Toonami, il y avait du catch hier. Donc, on a d'abord regardé du catch, et puis après, on s'est mis un film. Et minuit est passé, et on s'est souhaité la bonne année à minuit 6. Non, mais... Emploi du temps de ministre. Hello ! Aujourd'hui, nous allons mettre deux PNJ... Qui seront donc, des filles dans le harem de Ramsès II. Une et deux. Putain, vous faites pas très féminine les meufs, hein. Ah là 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 là. Bon, bah tant pis. Ramsès se contentera de ce qu'il a. Il fera comme tout le monde, en fait, hein. Ouais, bon, allez. Là, on va utiliser un petit peu les défauts de lumière pour faire un petit peu des trous dans le décor. Est-ce que je suis au bon état? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Attention. Alors, 1, 2, 3, 3. Donc, au quatrième, je casse. Je t'ai cassé. 1, 2, 3, 4. Donc, 5. Ah non, j'ai cru que j'avais fait double couche sur ce mur. 1, 2, 3, 4. Donc, ben, 5 aussi, quoi. Voilà, parce que... Faut quand même qu'il y ait un petit peu de lumière là-dedans, sinon ça va pas plaire à grand monde. Et ce serait dommage. Allez. Après, on va faire un petit peu du kiff-kiff bourricot. Et puis voilà. Voilà. Hop. Nous, en ce moment, on vit sur Internet, hein, entre YouTube et les sites, voilà. YouTube, on regarde beaucoup scène de... Caméra Café. Oh, scène de ménage, à chaque fois, je le dis, mais c'est pas ça. On regarde beaucoup Caméra Café. Aujourd'hui, on a regardé l'épisode quand Jean-Claude et Sylvain font une course d'escargot.
J'ai pas dit que c'était top, super malin, mais bon, c'est rigolo quand même. Bon, hier dans le live, je vous ai dit que mon clavier faisait énormément de bruit. Ça s'est pas arrangé, hein. On a changé d'année, mais pas de clavier. Hein. Puis on va pas faire que ça quand même, j'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, bonjour la crotte, hein. Marc l'a récupéré pour le PC de son bureau. Et ben. Fonctionne déjà difficilement. Bon, je suis pas à la bonne hauteur, mais. Est-ce que ça dérange? Bah non, ça dérange pas. Ça gêne quelqu'un? Oh, c'est génial! Ça fait beau quand même! Mais c'est merveilleux! Ah, t'as vu? Oui, ben Orphéa est peut-être un petit peu cinglé des fois, mais. Mais tant pis, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je suis pas là du tout à la bonne hauteur, mais bon. On s'en fout. Voilà. Force de regarder des trucs un petit peu louvedingues sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a regardé encore aujourd'hui? Ubi, qui a vécu dans un carton en mangeant des chips pendant 24 heures. Oh, lui, il est génial. Moi, je l'adore. Hop, 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 hop. Suis la hauteur. Et après, on a regardé Gurki, qui était venu. Attends, goûter les Arabic Burgers du McDo. Ah, Oman, voilà. Et il était avec Nabil en plus, c'était rigolo. Et ça avait l'air vachement bon, mais vachement. Waouh, tu manges ça après, bonjour l'état des boyaux. Mais c'est bon hein, de manger épicé. Ah ben. Ici, c'est déjà fait. Alors, est-ce que déjà ça fait un petit peu plus de luminosité? Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est pas formidable, hein. Non. C'est pas terrible. Ici. Essayer de se faire une fenêtre. Va falloir qu'on essaie d'aller jusqu'à l'autre bout. Ça va être un peu difficile parce qu'il y a des toits. Il y a des virages qui ne sont pas là, mais que j'ai fait quand même. Bon. Des fois, on me pose des questions en commentaire, que ce soit ici ou sur YouTube. Pourquoi? Bah, pourquoi pas? Sérieux, je sais pas. Je fais un peu n'importe quoi. Et voilà. Allô? Déjà, là, rien que ça fait déjà pas mal de luminosité. Et c'est la map elle-même qui va choisir où je fais des ouvertures. Ah bah oui, normal, il y a de l'eau. Alors, ici, on va essayer de faire tout pareil. Attends, je vais peut-être enlever ça de ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12 et 13, voilà mon chiffre fétiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bingo, comme dirait Mr. Bean. Mmh.
Par contre, j'étais partie de où, je ne sais plus. Bon, ben les PNJ ont l'air déjà pas de se trouver si mal que ça, donc c'est bien. Donc c'est au-dessus là que je fais une ouverture à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Compte avec Orphéa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Allez, on refait ça et puis après on va peut-être pas faire non plus 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est naze parce que derrière on a un mur. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. On viendra une fois de temps en temps voir si les PNJ se plaisent ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh ben ça va pas, donc du coup on va faire 14. Et puis là, tout pareil. Il va faire nuit. Est-ce qu'il y a des lits dans à cet endroit? Ben, je crois pas en plus. Attends, on va redescendre là. Déjà là, il y a un truc qui me plaît pas du tout. J'aime pas les... Oh, mon petit endroit sombre. Ouais, je sais. Ici, là, là. Oh non. Là et là. Oh, bah ben non, pas deux. Non. J'en veux bien qu'un. Oh là là. Méga bien. Par contre, là, on va faire un truc, c'est qu'on va faire ça. Et voilà. Eh ben cool. Moi j'aime bien. Non, ici on n'a pas un seul lit. On a juste une momie. Voilà. Eh ben, allez, on va faire les premiers lits des du harem. Attends, on va aller chercher ça. Lit. Regarde-moi ça ici. Il y a un petit bug de lumière. Donc là, on va mettre un lit et un autre lit. Pas mal, déjà. Parce que dans un harem, il faut obligatoirement des lits. Et là. Ici. Ah bah oui, mais là on se rend moins bien compte. Allez, je vais me coucher, comme ça il va faire jour. C'est Orphéol, teste des trucs de nuit pour la luminosité. Et ben, c'est pas terrible. Et voilà, comme ça on aura déjà plein de lits. Lumière. Je sais pas trop comment j'ai fait. Ici, là, ok. Donc ici, là, cassé. Et voilà. Mais ça, c'est pas mal quand même. T'as vu, il y a des marches ici.
Allez, vas-y. Non? Tu veux pas? Oh. Lui, je crois qu'il m'aime pas trop. Tu veux de l'or? Allez. Chercher de l'or. Ce qui est bien ici, c'est que si tu as envie de faire pipi, eh ben c'est mort, hein. Et voilà. C'est merveilleux. Ouais. Non. Encore? Tiens, hop, encore un petit peu un échange. Bien évidemment, du lapis-lazuli. Toujours j'en veux, moi, du lapis-lazuli. C'est ma pierre semi-précieuse favorite. T'en veux plus rien? Ciao. Allez. Bon, il y a moyen de moyenner de passer un peu partout, donc ça devrait le faire. Voilà. Bon, il faut que je mette un petit peu de la peinture un peu partout. Parce que en Égypte ancienne, les choses étaient très très décorées. Tout était en couleur. Un peu comme Notre-Dame de Paris, les. Oh! Je ne sais pas si vous avez regardé sur France 2 le documentaire sur Notre-Dame de Paris. On a plein de places, hein. Tu peux mettre des trucs géants. Mais tu vas m'en mettre des petits. Non, ça va, c'est bon. Et c'était très très intéressant quand ils ont parlé des gargouilles, de toutes les choses qui étaient peintes sur les façades de Notre-Dame de Paris. On a l'impression que tout était un petit peu austère, triste. Et moi je me disais, il y a donc en Égypte ancienne, mais qu'ils avaient eu l'idée de peindre des choses, mais non, en fait, il y avait de la couleur sur toutes les statues, par exemple. Les statues de tous les saints, de tous les personnages importants. Voilà. Bon, ben moi je dis que ça déjà c'est pas mal. Ça donne un peu envie de rentrer. Voilà. Alors ça, j'ai eu l'idée de faire le harem il y a assez longtemps. Parce que c'est vrai qu'en Égypte ancienne, les mœurs n'étaient pas les mêmes que maintenant et qu'on avait des mariages multiples, voilà. On avait plusieurs femmes, on avait plus. Enfin bref, c'était pas comme maintenant. Quoique, la polygamie, je suis pas trop pour quand même. On en reparlera avec Marc Phoenix au cas où, mais je crois pas non plus qu'il soit très pour la polygamie. Et vaut mieux. Mais comment? Voilà, c'était quand même. Ramsès II a eu quand même de nombreuses femmes. Il est mort à presque, à presque 90 ans. Donc, il a eu de nombreuses femmes. Il a eu 104 enfants au comptage. Dernier comptage que j'ai vu. Et voilà. Donc, le harem était quand même un endroit assez important. En plus, là, j'ai envie de m'en occuper à nouveau maintenant, c'est que nous regardons Zen Nation et Murphy a fait un club, le Limbo, donc dans lequel il accueille les zombies, les parlants, tous les zombies, toutes les personnes encore vivantes, celles qui sont plus très vivantes, et tout ça. Et il y a plein de monde qui danse, qui joue, qui cuisine et tout ça. Et bah, je trouve que l'idée est très très bonne. Il fait ça. Murphy fait ça pour une raison pécuniaire, quoi. Il n'est pas con non plus. Il sait très bien, la nature humaine est ainsi faite que l'argent mène le monde. Mais pas que, hein. Donc, il fait ça également pour son plaisir personnel
Et il aime être le roi. Donc du coup, en ayant fait cet endroit-là qui accepte tout le monde, la saison 5 de Zen Nation est assez particulière. Au dire des critiques sur Internet et compagnie, c'est une saison qui est complètement nulle. Et je comprends pourquoi. C'est dérangeant. Voilà, c'est très très dérangeant. Et une vision de la résistance dans un pays, dans un monde apocalyptique, c'est assez effrayant. Et là, on a Simon qui a disparu, ainsi que sa femme Kaya et leur fils. Et ils sont partis dans un camion, on ne sait pas où. Et nous, on a quand même une notion d'histoire de France et de la résistance et de tout ce qui s'est passé en 40. Et j'avoue que je m'inquiète un peu pour eux. Bon, bref, on s'en fout. Est-ce que je suis en train de parler de ça? C'est le 301e épisode de ma série Ramsès 2 sur Minecraft. On fête la bonne année. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie beaucoup de suivre ma chaîne, pour vos commentaires, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. A plus tout le monde!